Salut chut, chut. Je planque les os, je planque les os. Enfin, je vais en mettre un, là, ça va être plus facile. pour ouais. tac, 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 tac. Bah quoi, c'est à la Pâque. C'est la Pâques, c'est normal Allez, Je les appelle chut, chut. Les loulous Les loulous Allez, venez là. Allez, bah, c'est la Pâques il a pas des oeuf, sûr. Donc vous avez vous avez 30 secondes chrono pour trouver les petits œufs. salut, à tous. salut secondes, à tous. 30 secondes, 30 secondes On gagne vous. quoi On gagne quoi Il y a quoi. des petits œufs. Je l'ai, j'ai mon œuf. Ah mais il y en a plein. Ah. Ah. Deux, non, deux, non, un, un, deux, un, deux, un, deux, Là deux, Là-bas sur palmier. Deux. Ah bah elle oh. lui être les deux. Ça, Ça c'est pour Marie, c'est pour Il y en a d'autres Deux, Bien sûr, il y en a d'autres. 2 2. 3 de Marie. Trois yeah de Marie, trois de Marie. Non, non, j'ai rien, moi, j'ai rien. Ah, si, ah non. Non, non. Bah, ça, là, oui, non. Non, c'est les miens. Trois de Marie, trois de Marie. J'en ai. Là, là. Piche, piche, piche. Oh. Oh, oh. Marie. Marie Botte à Marie, triché. Marie. Marie, Marie. Oh, oh. Il a oh trouvé. <laughs> oh. Bah voilà quoi, des petits œufs. Oh, euh, merci, bon, mon voilà. Benoît. Quelle délicate intention. Mais es c'est pourquoi gentille. les petits œufs, moi, je me suis acheté. Merci des très à tous. Œufs. Salut, les amis. Et joyeuse Pâques à, à tout le monde. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé vos. Merci de nous avoir ramenés un petit peu en enfance. Oui. Oh, tu ça te souviens quand on faisait la chasse aux œufs ouais. Bien sûr. Moi, j'adorais ça. C'est vrai, c'était Mais encore aujourd'hui, moi, je l'ai fait encore ce matin. Oh. Ça, ça vous fait vous... deux fois ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, Gasson On se concentre sur l'émission. Oh là oh, là oh, 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 oh. C'est dimanche, oh. il est 13h, vous êtes peut-être en train de manger des amis. Dommage qu qu'on ne fasse pas d'émission à Noël, parce qu'on aurait des, des cadeaux. C'est vrai qu'on n'en fait jamais. Ah Il ouais. n'y bah, a pas de tournoi à Noël, Marie. Donc, non, euh, mais, mais on pourrait à Noël. faire ah, des je, 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 Moi, je me déguise genre. en papa Noël. Hein. Ah bah oui. J'ai tout le truc. Tu l'as ah. déjà fait ici. Ah bah, je l'ai fait avec les, les, les enfants des copains et tout ça. Je suis passé par le balcon, je suis tombé. Enfin, plouh, ah oui, d'accord. Il restait coincé dans la cheminée. Non, la cheminée, je ne l'ai pas fait. C'est pour ça qu'ils terminent les vacances de Noël à l'hôpital à chaque vrai. fois. C'est compliqué avec le traîneau, les toits, tout à Paris. Il faudrait que tu te déguises plus souvent, Benoît. On l'avait fait avec Varlet, la cheminée. Il est resté 15 jours. Il a porté à manger dans la cheminée. Quoi. Il arrive demain. Hein. Vous n'êtes pas sympa. Hein. Tu t'expliqueras. Ah non, 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 j'ai rien dit bon, dit. bon, les amis, en tout cas, bienvenue dans Sans Filet. Euh, votre émission 100% tennis sur Winamax TV. On met des petits pouces. C'est important, les petits pouces. Parce que là, on est en train de baisser dans le nombre de pouces. Hein. Ah on bon a tapé les 1300 pouces et là. C'est à cause de carbalais. C'est l'effet Ça attire un oh, peu. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Bon, après, en vrai, c'est clair que c'est moins suivi. Les non, mais sur la semaine que... de, 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 Monte -Carlo. De, de Monte Carlo. Et ouais, ça commence aujourd'hui en plus. Ça commence aujourd'hui. Voilà, normalement, tous les jours, sinon on arrête l'émission. <laughs> on arrête l'émission. Genre, les, les boss nous ont dit que si on avait moins de 1000 likes, c'était fini. Ah ben bah voilà. <laughs> c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est ah bah pas, voilà, voilà, pas vrai. Voilà. <laughs> c'est pas vrai. Ça commence aujourd'hui, Monte Carlo, avec des matchs de malade. Oui. Je suis désolé de dire ça, Marie, t'étais pas c'est <laughs> bon forcément d'accord qu'on fasse une émission entière sur le Hurcache-Djeré, mais vrai. Là, je pense qu'il bah faudrait... qu'on qu consacre ouais. l'heure à Hurcache-Djeré. Bah, monia bah, Rousseler, c'est... Non, sérieux Non, ils ne sont pas évidents. Le Tchorich-Jari euh, n'est pas simple. Ah, celui-là, je ne vais pas là-dessus. Ah, bah, ah, <laughs> Pourtant, -là, on va en parler quand même. Ah, bah, on voit pas clair du tout, là. Regardez le programme, justement, de cette émission. On fera un délimé. il y aura toute l'actu, évidemment. Ah, on fera aussi un point sur les qualifs de Monte-Carlo et sur les trois premiers matchs donc euh, du jour à Monte-Carlo. Euh, Charleston aussi parce que vous le savez, il y a eu une seule demi qui est allée au bout. Donc euh, qui va rejoindre Jaber en finale. Ensuite on ira à Marrakech. Ils sont dans la merde. Hein. Ils sont... annoncent de la pluie encore. Ouais. Encore. Ouais, Charleston, ouais, c'est pourri là. Oh là là. Bah, il... américain cette semaine. Mais non mais compliqué. en fait ça a traversé toi. Houston ouais. puis ça revient vers Charleston. En fait as une espèce de bande pourrie quoi. Et donc ils espèrent pouvoir jouer. Bah on parlera en tout cas de, de cette qualification de Jabber et qui la rejoindra en finale. C'est la question. Elles sont dans le tie-break du deuxième set. C'est Benchic qui a pris le premier set et Pegula qui mène 4-2 dans le tie-break du deuxième. Estory les Houston, où on fera la finale à Estory avec Casper Rudd face à Katsmanovic et les demi-finales de Houston, avant de conclure par une partie de mini-ping. L'ultime chance de Julien Picheney. Oui, je savais plus si c'était toi ou moi. Mais non, c est c est toi. Mais, non mais ce qu'on peut faire, c'est ce peut peut-être, tu vois, oh jouer. Le reste ah, du mais t'en as acheté plein! Jouer le reste du sachet sur la partie de Mini Ping entre vous deux. Celui ah. qui gagne ah. se prend le sachet. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas. Es... Ah, s'il y a du chocolat en jeu, Marie, je te souhaite bon courage pour C'est du chocolat au lait? Ouais, j'ai pris que du Parce chocolat Parce que j'aime que le, le faux chocolat, moi. Bah ouais, ouais. je sais, il y en a plein qui n'aiment pas y le, y en chocolat a plein. Non, le chocolat ah. noir. Non, chocolat noir, j'ai du mal. C'est des vrais amateurs, qui aiment Le Noir. Oui, je sais qu'il y en a plein qui me demandent ça si je vais à Montecarlo ouais, cette année. Monde. Non, ben non, j'y vais pas, j'y vais pas. J'ai été viré, les loulous. Je fais plus la présentation. Bah viré. Il y a eu un changement de. Ah, ah mais non, j'ai été J'ai été mis de côté. Mis de côté. Ouais. Provisoirement. Punis, quoi, ah, puni quoi. titre provisoire, Je suis puni, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et hey, moi je suis là. Mais Tranquille, oui. On va non. se faire la semaine ici. Wallon, nos problèmes. Tu ne seras jamais viré de Sanfilippo. Non, ouais. mais c'est emmerdant parce que je sais qu'il y en a plein qui dit ouais, on va se croiser, on va se voir. non, malheureusement. Vous, ah, vous pouvez de... le croiser à Paris. Je crois qu'on ne va pas au tournoi de. Non, alors, ouais, on va pas au tournoi de Lyon. De Lyon, Parce qu'en fait, il y, y a le Sismix, euh, donc toutes les équipes techniques bah, sont là-bas. C'est un peu compliqué vu le remplacement de Lyon dans le calendrier, ouais. juste avant Roland-Garros. Pendant la sens. semaine C'est déjà califs. les qualifs. Ouais. Euh, je... Mais par contre, à Metz, on va mettre le paquet. Ouais, le Moselle Open, ouais, il paraît il sera y là. Est après Bercy. Et ouais. en plus, il y a une grande table de ping-pong. On m'a dit qu'on pourrait faire des parties de dingue là-bas. Ah, mais une grande table Une grande table de ping-pong. Mais on ne sait plus jouer sur des vraies tables de ping-pong. On clair. a tellement l'habitude de jouer oui, sur ce, déjà on sait pas. Sur ce jouer dé à coudre. Là, euh, que... Oui, <laughs> non, 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 attends. Je te rappelle que j'ai fait les pré-califs du championnat de Lorraine il y a 30 ans. On va fêter les 30 ans bientôt. Non. <laughs> non, <'est> pour ça. <laughs> Donc tes petits sarcasmes, là, Marie, je, tu, tu les remballes. Je t'en prie. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, sérieux. Euh, ouais. Bon, allez, c'est parti. On va faire le Daily Mail. Ah, ouais, 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 ouais. oui. ouais, ouais, ah, ouais. Ah, ah. Euh, Est-ce que toi, Marie, tu peux regarder quand même l'évolution des sûr, matchs qui restent en place Bien Donc, sûr Pour l'instant, il y en a un qui est passé, qui est rentré dans le tableau principal, c'est sûr et certain, c'est Marton Fukovic, qui a battu Krajinovic, 6-3-7-5. C'est le seul résultat pour l'instant, c'est ouais. très accroché sur les autres matchs. Oui, Ivashka Daniel, on est dans le tie-break du deuxième, 8 partout. On oh a la un match Oui. Nardi hauteu il y a un set partout, 3-0 pour Hauteu dans le troisième. Russu Vorich, je trouve, un set partout, ça commence le troisième. Okay. Et Père Popirine, ça vient tout juste de commencer. Ouais, c'était le premier, y a, donc il y a, y a Père Popirine. Ensuite, normalement, on va avoir Van et Lucas Van Haché contre Gakoff. Que je connais pas. J'ai pas vu du tout le match contre Manarino. J'avoue ne pas comprendre trop le score. Pareil, j'ai eu 6-1, des. 6-1, Manarino, 6-0, 6-1, Gakoff. Bon, et puis le dernier, ce sera Hugo Humbert contre Lajovic. Pas simple. C'est chaud, pas chaud, patin. Pas simple, ouais. Enfin, voilà. euh, sinon, au niveau des infos, on en a plein. Des ah, il y en a allez. plein. Allez, ah, Un fort de la France. Vous savez, il y a encore un forfait à Monte-Carlo Non. Si. Euh, qui Nakashima. Ah oui. Donc Nakashima il ne vient pas. Il était dans le tableau. Donc un lucky loser va rentrer. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'ordre hein, dans le Lucky Loser, ça va être plus ou moins un tirage au sort hein, sur ceux en, qui resteront. En en attendant d'autres, que. En en attendant d'autres, que... puisque logiquement, Tiafo, je ne vois pas du tout comment il ah peut bah jouer Monte Carlo. Ouais. Donc, logiquement, il y aurait deux Lucky Loser qui pourraient rentrer, rentrer dans le tableau de Monte Carlo. On vous tient au courant, c'est un énorme merdier. Tout en sachant qu'à euh, Houston, il y a 7 heures de décalage, ils vont commencer à 13 heures locales les deux demi-finales. Pour ensuite jouer la finale après une période de, de, de repos euh, entre, euh, avec un accord entre les deux joueurs qui se oui. sont qualifiés pour la finale. Mais voilà, normalement, ça se finit là. Ça va se finir. On va dire pour nous en France, aux alentours de minuit, 1 heure du matin, dimanche soir. Ouais. Donc ça veut dire prendre l'avion. Houston, Houston, euh, Nice. Il peut y avoir un direct Houston-Nice. Non, je ne pense pas. Ne pense pas. Donc, c'est un vol quand même pas, de la mort. Pas, oui. ouais. En tout cas, le vainqueur de Houston qui aurait gagné 4 matchs en 2 jours. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. 4 matchs de simple en 2 jours. Simple, double, cumulé. Oui, c'est possible. C'est déjà arrivé. Mais 4 matchs de simple en 2 jours, je n'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent en tête. Ah ben bah non. Non, non. Je, je, non, mais même en allant chercher très loin, je... je ça restera vois pas. dans les annales. C'est pour ça, ça qu'il ne faut vraiment pas jouer très, très longtemps quand tu fais tous tes matchs-là. On, on en parlera. Euh, sinon, vous savez que c'est fini entre Dominique Tim et Nicolas. Ouais. Massou. J'étais tout triste. Oui, ça fait bizarre. Bah oui, parce que c'est vrai qu'ils avaient commencé à bosser ensemble comme ça, de façon un peu inattendue, vers la fin de l'année 2018. Ils avaient vraiment, ils s'étaient vraiment mis ensemble avec Nicolas Massou début 2019, et puis boum, Indian Wells, bam, il gagne Indian Wells. Alors là, on était tous sur le cul. Et après, je regardais. C'est vrai que c'est quand même pas mal leur collaboration, puisque bah, bah, et, euh, en toi. 2019, donc il gagne Indian Wells, euh, il va gagner Barcelone, il va gagner Kitzbühel, il va gagner Pékin, il va gagner Vienne, il va faire la finale à Roland Garros et il va faire la finale du Masters. Tout ça, c'est en 2019. En 2020, bah, qu'est-ce qu'il nous fait? La finale à l'Open d'Australie, il gagne l'US Open et fait finale aux Masters. Et il était considéré sur cette période-là, 2019-2020, comme un des trois meilleurs joueurs sur dur de une team. Donc voilà, bon, c'est terminé euh, apparemment. Mais c'est très, cordial, hein, voilà, C'est hein. toujours très, très, cordial. De toute façon, ils s'aiment tous à chaque fois. Il <laughs> n'y a pas, il y a pas de problème. Tout se, se, se fait dans. dans un bon esprit. À part, à part avec euh, Zverev et Ferrero, là où c c Voilà, c'était un peu parti en de boudin, mais plus maintenant. Et tu vois, quand Ferrero en parle, il ne dit pas hein, qu'il y avait un souci. Il te dit que, bon, bah, quand il a pris euh, Carlitos Alcaraz, euh, voilà, il savait que ça allait changer des jets privés, ouais. et des hôtels et des palaces. Bon, c'était peut-être la pique. Petite pique. pique. Euh, C'est fini aussi entre, ça je ne savais pas, c'était juste après Miami, entre Benchitch et Tursunov donc, que ça devient le mercenaire du circuit féminin. qui s'était occupé quand même assez longuement de Zabalenka, qu'il l'avait amené à, quasiment à son meilleur niveau. Pas complètement, mais quasiment. Derrière, s'était occupé d'Annette Contaveit, qu'il l'avait amené à la deuxième place mondiale, si je me trompe plus. Parce que je, je vous avoue, Contaveit, je sais plus. Si, numéro 2 mondial Après, il avait fait la petite pige, comme à peu près 150 000 entraîneurs, avec Emma Raducanu Alors là, bon, ça ne pas duré longtemps. Et là, boum, Benchich, six mois. Ça a duré six mois. Et euh, terminé. Bon, là, alors là, il n'y a pas du, du, du tout de... de... C'est l'agent qui nous a prévenus. Parce qui s'est passé entre les deux, je ne sais pas. Euh, et puis sinon, j'aime bien Naomi Osaka, qui continue. Hein. Donc euh, euh, conférence de rédaction, euh, conférence de presse, pardon, peut-être juste <laughs> avant d'accoucher, je ne sais pas. Non, non, enfin, elle n'a pas encore fini. Et elle, 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 elle donc question, est-ce que <laughs> <Pas> encore fini <laughs> Est-ce que c'est pas fini C'est pas, pas <laughs> Elle n'a pas fini de pousser encore. Et est-ce que euh, oh. est-ce que vous en êtes où avec votre retour Vous êtes sûr que vous allez revenir et tout ça Donc elle a bien confirmé. Et puis elle est très précise. Attention, euh, je, je, c'est pas du tout incertain. Je vais revenir et je veux, ben je vais, hein, je veux gagner encore huit tournois. Bon, pourquoi pas 8 tournois du ouais, Grand Chelem, ok, si tu veux, Night et remporter, et essayer, là elle est quand même un peu plus... Essayer de remporter la médaille okay. d'or aux Jeux olympiques de Paris, donc euh, bah, vraiment pas longtemps. Le timing me paraît un peu serré pour Paris quand même. Allez. Pourquoi 8 et pas 7 et et, 9 8, euh... Je sais pas, 8. Et, et si, et... si c'est 9 Il faut être 10 son chiffre. Et 8 quand euh, bah, euh, bah, À 8, elle arrête. Elle ne bah, peut pas pour 8. gagner 9. D'accord, ok. 8-8 des 8 en comptant celles qu a, ceux qu'elle a déjà ou en plus Ah non mais je ne sais pas, j'étais pas dans la compte euh... et je n'ai pas pu lui ah, poser bah, la écoute, question. Ben non, ah, bah, mais ce pas précis. C'est le, le N'empêche qu'on qu verra, on verra comment elle revient. C'est quoi qu déjà requiert. le métier actuel de Naomi Osaka Elle est joueuse de tennis et elle est femme enceinte voilà. et euh, elle va devenir maman prochainement. C'est le plus beau métier du monde. Et j'ai deux petits quiz pour vous et pour vous aussi. Vous êtes prêts Quel est le nom du chien de celui qui est en train d'effrayer tout le monde, et d'ailleurs Julien Varlet l'a annoncé comme étant demi-finaliste à Roland Garros cette année. Comment s'appelle le, le, le chien de Mr. The Signor Echeverri Rafa. Rafa Non. Roger Roger Non. Novak Novak Non. Est-ce que c'est le nom que Arnaud Sanchez avait donné aussi à son chien Garros Roland Garros Roland Garros son chien s'appelle Roland Garros. Donc attention. As vous la dit. news c'est pas possible. Ah non, 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 non non mais, mais Julien va... ah bah non mais c'est un peu un, un peu en un... okay, okay. avait deux, okay. c'était Roland Garros. C'est pas un... pas, les, pas les, le premier à faire ça. Non ça, non, il y en a plein. Mais lui voilà, voilà il a un ah, chien. Ah mais donc il a ce prénom composé enfin ce nom composé Roland Garros. Pour le pour, le, pour le... je ne sais pas ce que me demandez pas ce que c'est comme chien, je ne sais pas. Autre quiz. Donc il y avait un chat qui s'appelait Nadal. C'était pas Corda Non. Oui oui, il y a une histoire de chat. Il une histoire de chat. Effectivement. Euh, Benoît, juste une petite précision parce que j'ai raté cette info. Julien Varlet, voix de cheverry. oui en huitième, non minimum huitième. C'est pas la même chose. mettez vous d'accord On n'est pas du tout sur car, le même car, genre car, de carte. Il dit de toute façon, il y en a un qui va sortir du lot et je, je vous balance mon. Euh, ce match il, contre... il a dit, je, je, me rase, je, je me rase la tête si jamais il est. <laughs> Je me laisse pousser le ventre si jamais <laughs> euh, il est en quart de finale. Et Cheveri, qui, non, hier, le match contre Garing, c'était un des plus beaux matchs de la semaine, hein, je pense. Sublime match de terre battue. Fabuleux. Bravo. Fabuleux. Bravo. Fabuleux. Bravo. Fabuleux. Rien à dire. Bravo. Autre quiz. Et le dernier, après on en arrête, on part sur les matchs. Euh, vous savez, donc, Alex Muller, j'ai pas besoin. Alors, j'ai pas mis la, 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 la perruque et tout. Je, je, voilà. Pourquoi d'ailleurs voilà. Alex. Alex, pourquoi t'as pas mis. Ouais. Mais je... aurais pu mettre la perruque. Ouais, mais non, je, on va attendre. On va attendre qu'il s'en sortent, parce que c'est pas simple. Donc, M Muller, top 100. On est d'accord. 96e hein. aujourd'hui, au moment où on parle là. Voilà, et normalement, s'il gagne, bon, il est quasiment sûr d'être top 80. Quoi. Quasiment, non, mais, mais, non, bon, mais comme mais, ça, joue de partout. Roland Garros, c'est bon. Hein. Roland Garros, c'est bon. Ça veut dire, bon. Dire que, ah ouais, bravo. ça veut dire que lui aussi se verrouille son Roland Garros. C'est génial. Alors, on est à une semaine du cut. On rappelle qu'après Monte-Carlo, on sera sur le cut de Roland Garros. Donc, il faudra logiquement faire partie des 104 premiers joueurs de la planète pour être officiellement dans le tableau final de Roland Garros s'il n'y a pas de désistement, pas de blessé. Ou 101 ouais. s'il y a des protect tranquilles. Voilà. Bah, oui. Normalement, il y a du protect tranquille avec mon fils. Est-ce que Jérémy Chardy va vouloir s'offrir un petit euh, dernier Roland-Garros enfin, enfin bon, le, on va dire qu'avec... Attila Banas, là, qui, qui vient nous faire chier alors qu'il a plus voilà. le niveau. oui, ouais, bah ouais, mais bon. Mais bon, mais, on va dire on que dans l'absolu, allez, si on est dans les 105, on peut se dire que c'est jouable. Combien il y a de Français Parmi, on va dire, allez, les 105 premiers joueurs du classement ATP. Ouais, il y en a TV. beaucoup, ben, ils sont 12 ou 13 là, non Plus. Quoi que là, oui, il y en a un petit peu plus, plus que. Plus Plus non. non. Moins 12. On croirait juste prix. 13. Allez <laughs> 13 13 plus. 13 14 14 12 T'as gagné pas mal. Donc, euh, donc, on vous rappelle, hein, euh, pour l'instant, hein, il faut vraiment euh, être allé Top 100, au moins vous êtes sûr. Quasiment sûr d'être dans le tableau final. Après, il y a les classements protégés qui vont être pris en compte pour ceux qui veulent en profiter. Il y a les wildcards aussi qui sont attribués. Donc, il, en a, il y en a huit au total. Six qui sont pour des Français en général. Et derrière, vous en avez toujours une. Ça, c'est des accords entre fédérations avec un Américain et un Australien. Il n'y a pas de team dans l'histoire, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, et puis, les qualifiés, il y a 16 joueurs qui vont sortir des qualifications. Et là, bon, pour ceux qui vont rentrer en qualif, on va dire que vous allez rajouter. Euh, je ne sais pas, moi, peut-être 8, 7 ou 8 Français qui sont coincés entre la, euh, la 105e place et la 250e, à peu près, pour entrer dans le tableau. Voilà. Donc c'est pas mal. 11 Français euh, quasi assurés, s'ils ne se blessent pas, d'être dans le tableau. final Au moins sur les premiers tours, ça va être le top. Et parmi ces Français, certains qui vont jouer leur premier Roland, ce qui est toujours une émotion particulière. Ah, sûr. Le premier Roland, le premier match de, de Lucas Von Hachet à Roland Garros, par exemple, tout ça, ça c'est toujours une attraction. Quand ils sont jeunes en plus. Donc, euh, sympa. On espère qu'il y aura d'autres jeunes aussi. Arthur Fils, qui lui aura besoin du wall card, c'est ah, de jouer Roland. Oui, là, lui, oui. lui, il ne peut pas. Ou à moins qui Non, non, il peut pas. C'est impossible. Alexis nous demande si le chien de Julien Pichonnet s'appelle Nick curios Je n'ai pas de Je pas de chien à la maison. Non. Ah non, dans l'appartement c'est compliqué <laughs> c'est compliqué non, il, il a un cochon d'Inde il, il est fan des cochons d'Inde <laughs> j'allais dire poisson rouge non parce que mais ça, mais ça oui. boulotte ça boulotte le cochon d'Inde <laughs> c'est ronchon ça dit rien euh, Benoît a fait un petit point sur les qualifs de Monte Carlo ah oui. on a aussi trois matchs au programme les amis aujourd'hui petit prono rapide dans le Daily Mail sur Monte Carlo on sera full Monte Carlo la semaine prochaine on a ce fameux chorich Jarry. c'est que des premiers duels là, hein, sur les trois matchs les mecs se sont jamais joués mais tu peux aller sur les qualifs des français hein. Euh, oui, je peux aller sur les qualifs des Français. Tu veux qu'on commence par les qualifs des Français Parce que j'ai les cotes. Bah, père Popirine qui est en live. C'est des cotes en live. C'est des cotes en live. Pour l'instant, il y a 2-1 pour Popirine. Pas de break. Moi, je dis que victoire de Benoît père Tu dis victoire de Benoît père. Ouais, Même si Greg Barrère complètement passé à côté de son match, je me dis que le Benoît, là... Euh... Ouais, Je pense que sur terre, il peut l'avoir, le... il il peut... Benoît. Il est au-dessus sur terre, ouais. bah, évidemment. Puis il y a une confiance qui revient. Et Benoît, il marche essentiellement à la, à la confiance. Je pense que physiquement, il est... Il est dedans et tout. C'est un, un Master Smile, c'est Monte Carlo. Il il en voilà. oui. C'est pour jouer un Master Smile demain euh, ou après-demain. Euh, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup d'enjeux. Euh, il ouais. des cotes en live, c'est pour ça que ça bouge. Les amis. Et, et Popyrine, je me souviens de match à Monte Carlo où il n'était vraiment pas au niveau. Alors je ne sais pas si c'est un tournoi qu'il qu aime beaucoup. Il avait perdu Pouille une année. Ce n'était vraiment pas un bon match. Ouf. Donc, euh, ouais. donc vous mais... faites confiance à Benoît. Perth. est Et vous fera ouais. confiance ouais. à Hugo Humbert face à Lajovic. Un ancien finaliste. C'est compliqué, Marie, là pour Hugo Imbert. Oui. Moi, j'aime. Il croit beaucoup moins que, que pour Benoît Père. En plus, la ouais. Lajovic, qui a beaucoup joué sur, euh, sur terre battue en, en février, qui a pas mal joué en mars, qui a fait un bon tour à Miami. C'était pas facile hein, contre Joe Souza, euh, son premier tour. Il passe en 2-7, très ouais. solide. Moi, je serais plutôt euh, ouais. pour la Lajovic hein, là, sur ce match. Enfin, ouais. J'aurais tendance à dire que la Lajovic va gagner. Ouais. Et on a enfin un Lucas Vanaché qui a des cotes euh, à la euh, Novak ou à la Rafa. 1-18 face à Gakoff Alors, ce on c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'il faut sous-estimer, mais. Non, euh, surtout, pas. surtout pas. Il est là, il a passé un tour. Et. Je ne l'ai pas vu le match. Quand je dis on le connaît pas, voilà. Non, non, moi non quelqu plus. Quelqu'un qu'on pratique je, je. Euh, régulièrement. Mais il a l'âge d'Alex Muller, il a 26 ans, voilà, il, oui. il doit être 185e mondial. Est un... Il est arrivé dans le top 200 sans faire de bruit. Ouais. Donc il a euh... gagné euh, son, son premier challenger. D'ailleurs, c'était à Giron euh, début, au début du mois, sur terre battue, en, en profitant d'un abandon dans la finale à un set partout. Mais bon, euh, c'est un gars qui a gagné sept tournois pro. Et pour l'instant, c'est que des tournois sur terre battue. Alors, six futurs et un challenger. ouais logiquement. Mais bon, grosse pression pour Lucas Vanacher, parce que là, tu te dis qu'il n'a pas le droit de louper cette occasion de rentrer dans le tableau final, quoi. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on serait tenté de dire que c'est du sûr à 100%, mais. Ah ouais, mais bon. Est-ce qu'on a... est qu peut déjà avoir des certitudes avec le jeune Lucas Alors sur Terre, ouais. Ouais Ouais. Donc ouais, on peur. va sur Lucas On y ouais. croit à Et Lucas Il a quand même là. Le... Enfin, ça se passe bien pour lui en ce moment. Donc. Ouais. En plus, il y a plus l'enjeu de. Tu vois, il est ouf. Bah, attention, on relance parce bon. que le, le, le balage au premier tour. Euh... Alors ça, Alors, on en parlait avec Marie juste avant, parce que là, il a du protect ranking un petit peu partout. C'est vrai qu'il n'a pas gagné un match. Euh, face à un joueur du top 100 depuis ouais. euh, 3 ans. Il euh, n'y a pas une deadline ans. pour les protéger Depuis Roland Garros 2020. Non, parce qu'est-ce qu'il va, qu va faire Roland Garros Parce qu'avec son classement protégé, il, il pourrait. Tu peux en ah utiliser oui. 9, mais il n'y a pas une deadline. Genre pendant 10 ans, tu peux. Euh... Ah Oui, mais 9, c'est très peu. Ouais, mais si tu veux, je sais pas, tu fais un tournoi du Grand Chelem an, quoi. Ah bah, bah, c'est oui. ce que Tursu9 avait fait donc tu parles. Bah, tu à devrais faire une deadline pour ce. Ah bah bien sûr Marie, c'est pour ah ça qu'on peut avoir des abus. Mais Est-ce qu'on ferait, est qu ferait pas la même chose Tu sais que t'as plus le niveau, mais que oui, tu peux gagner sûr. tous le, les deux mois, le trois le mois. Oui, loup. Loulou, oui c'est vrai. Loulou, loulou, oh, le joueur, on fait bah, bien sûr. Maturité. Feliciano Lopez, s'il veut, il dit qu'il est blessé là parce qu'il est encore, un, un, un joueur en activité. Il dit qu'il a une grave blessure. Hop, pendant six mois il joue pas. Non mais là le classement, remarque son classement a tellement plongé ces derniers temps. Il est combien coup. Il doit pas être si loin que ça. Feliciano Oui. Il est huit e 900 e Ah bon tu crois Ah oui, il a plus de points. Là. Ah d'accord. Il a plus de points. Mais on, oui, mais effectivement, il y, a, il y a déjà eu des abus et Ballas, qui n'a plus du tout le niveau, qui ouais. est sept centième. Et qui veut quand même, euh, voilà, quand tenter même, de revenir. Puis et il y a et des prize money. Ouais, mais ça c'est l'effet pervers des gros prize monnaie ouais. Il y a tellement de, de c est, c est, c est, y a tellement d'argent à prendre dans les grands chelems et dans les grands tournois qu'il y a des joueurs qui, euh, même en sachant qu'ils n'ont pas de niveau, euh, préfèrent euh, quand ça. même. Euh, parce qu'on est sur Balash. Parce que Van qu euh, ouais. a battu Balash 2-0. <laughs> <laughs> <y> a... <laughs> on s'égare. Non, euh, non. Mais après, voilà. Est-ce que on peut pas prendre ça comme référence Mais c'est vrai que les derniers matchs de Lucas nous prouvent que oui il est niveau top 100. Quoi. Avant nos petits flash pronos sur les trois matchs du tableau principal du jour, je vais répondre à une question que j'ai vue sur le chat, où est-ce qu'on peut voir les qualifs sur YouTube, sur le compte officiel du Rolex euh, Monte Carlo. Vous allez, il euh, y a les qualifs qui sont diffusés, c'est gratos, donc allez-y, regardez les qualifs là-bas. Et Marie, on nous demande quand est-ce qu'on connaîtra les wildcards françaises pour Roland Garros, ça ce sera la semaine qui précède euh, le, le, le tournoi, hein. c'est vraiment au dernier moment qu'on a le... Qui précède les qualifs. On vous dira ça de toute façon. Donc euh, vers 1000. Euh, ça tombe. Euh, ouais, non, bah. Le 15, 15, euh, 17, 18 mai par là. Quoi. Bon, à peu près. petit flash pronom. Bah, sur les donc, non, attends, donc si je comprends bien le nouveau calendrier là, avec Madrid et Rome qui vont jouer donc, sur deux semaines, ouais. on va arriver à, à la fin de Rome, il n'y aura qu'une semaine de pause entre Rome et Roland-Garand bah, Comme d'habitude. Bah, non. Avant, il y avait toujours deux. Euh, bah, non, non. Suivant le, les années, il y avait entre deux et trois semaines de pause. Ah non 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 Benoît non non après Rome t'as euh, t'avais euh, Lyon enfin en ce moment c'est Lyon mais avant t'avais Genève enfin il y a Genève aussi mais avant t'avais un tournoi en Autriche parfois ou euh, mmh. Düsseldorf la Coupe des Nations encore plus tôt enfin voilà il y avait une, une semaine de latence. Petit flash-prono sur les matchs du tableau printemps. Oh, Messieurs, s'il vous plaît, Tchurich, Jarry, j'ai compris, Juju, il n'y va pas sur ce match-là. Nos bah, parieurs vont sur Tchurich. Mmh, non, mais bon, ça, on, on s'est enflammé sur Jarry à juste titre d'ailleurs, parce que il va bien jouer sur terre battue durant le printemps, c'est sûr, il ne va pas s'effondrer comme ça. Peut-être qu'on l'a vu euh, trop régulier trop tôt, redevenir très régulier trop tôt, après son super mois de février. Il nous a déçus cette semaine, mais à Marrakech, est-ce qu'on peut vraiment prendre ça en compte Benoît, Marie, vu la terre battue, le truc, et puis que c'était une reprise dans d'autres conditions par rapport en Amérique latine et tout. Donc euh, Voilà, Moi, je, je, je vais rester quand même sur Jarry, sur ce match-là, face à un Coric qui, depuis le mois d'août dernier, depuis sa superbe victoire à Cincinnati, n'y arrive pas du tout, du tout, du tout. Ça fait des lustres qu'il n'a pas joué une demi euh, sur le circuit ATP. Et attention, lui, parce que si jamais il fait rien euh, jusqu'au mois d'août, il va se retrouver à son 50e mondial. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 83% des mises sur Churich. Hein, ah 88. Bon ouais. Euh, oui, parce que tu vas jouer sur le central. Et j'avoue que, bon, est-ce que le Jari euh, va tout de suite trouver ses repères oh, Dimitri oui. nous dit qu'il faudrait peut-être parier en live sur ce match-là. J'avoue que je j'y touche pas. Ce n'est pas le plus simple de la journée. Oui, ouais. c'est vrai que est, ouais, il, est, il est compliqué. Coric, on ne sait pas vraiment où il en Jari, euh, bon, est. Jari, bon, est-ce qu'il a... Parce que si tu prêt... vas envoyer du lourd, du fond, comme ça, et trouver de, du rythme, Coric est capable de le faire, quoi. On parle de Mounard face à Hussler. Mounard est Favot. Et avant de répondre, on me dit qu'il y a break de Benoît Père. Vous avez bien fait de partir sur Benoît Père, les gars. Ouais. Mounard 1,50. Nos parieurs vont sur Mounard. Ouais, ça va être long, comme dame Oui, alors ça va être très long, mais c'est une belle cote, <laughs> le 1,50 de, de, de Mounard face à un Hussler qui, depuis son titre à Sofia, n'y arrive plus. Euh, quelle que soit la surface. Alors En plus, là, c'est vraiment pas sa surface, la terre battue, euh, aux Suisses. Donc, euh, raison de plus. Mais même si Hussler est en forme sur Terre, je dirais Mounard. Ou un Hussler qui est en manque total de repères. J'irai sur Mouniard qui, euh, vous allez me dire, n'est pas non plus euh, en ce moment le, le, le joueur qui, euh, qui gagne euh, sans problème ses matchs. C'est toujours long, c'est toujours laborieux quand il les gagne. Même quand il perd aussi, d'ailleurs, c'est toujours, toujours très long. Il n'a pas énormément gagné cette année, mais euh, sur terre battue, il me paraît quand même euh, favori euh, face à Hussler. Ouais. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. La cote à 1,50 est, est plutôt pas mal. Non, moi je. Pas aussi catégorique que toi, parce que Hussler va, va, va lui rentrer dans l'art. Il va l'agresser il va comme s'il jouait sur dur. Il a un très très bon service. Ah oui, mais en ce moment ça passe pas, ça marche pas. Donc euh... Ouais, mais il, il s'est blessé, il revient. Ah, il a beaucoup Moonard, joué. Mounard, hein. encore une fois. Quand il, on... blessé. il a beaucoup joué, là, cette année. Oui, ouais, ouais. mais Mounard, euh, je... <laughs> moi je. Ça renvoie la balle, quoi. C'est une machine à balle. Moi j'avoue que le 7. Alors la victoire, je ne sais pas. Effectivement, c'est de la terre. Bon. Mais sinon, euh, le set de Hussler, j'y vais. Je préfère aller sur le, la victoire de Mounard à 1,50. Mmh, le 7 de euh, Hussler largement. est à 1,48, le plus de 20,5 à 1,45, et la victoire de Mounard pour Juju à 1,50. Euh, On a un dernier match. Évidemment. Un dernier match, et euh, Urkac. face à Djere. Euh, Urkac qui va partir Faveau à 1,49. Face à Laszlo, gérer 2-60. C'est vraiment un gros gros match là, pour Hubert euh, qui va Forcément, mis à l'épreuve après, après ouais. Zapata Mirales la semaine dernière, gérer <laughs> à Monte-Carlo. Non, mais au moins il est dans le bain tout de suite, si tu veux. Il affronte des vrais spécialistes de terre directement dès le début de la saison. Bon, il a choisi de beaucoup jouer, d'aller à Estoril, ça n'a pas porté ses fruits. Là, deuxième tournoi, Monte-Carlo, pour Hubert qui, euh, qui fait un bon mois de février avec son titre à Marseille, mais qui est passé à côté de son mois de mars, il doit se remettre dedans sur une surface qui lui a jamais vraiment réussi par le passé. La terre battue, ce n'est pas vraiment son truc à Hubert, à, à, à mais est-ce que là, franchement, euh, il a un service quand même, il a un fond de jeu extraordinaire. Je sais que tu l'as souvent vu, d'ailleurs, à Monte Carlo quand tu, quand tu y travaillais, sur le cours que tu, euh, où tu, tu, tu officiais et tu étais impressionné par sa, 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 sa force de frappe sur, sur, sur terre battue. Il a déjà sorti des gros matchs sur terre, mais ce n'est vraiment, vraiment pas sa surface. Mais là... Pourquoi pas, Jerry c'est solide, c'est costaud, mais pourquoi j'y crois plus peur, que ça. contre Zapata Mirales mais Parce qu'il n'arrive peut-être pas dans la même euh, optique Ouais, et puis c'est un Master Smith aussi. Quoi. Ah, puis Jéré, oui, c'est pour ça. Jerry il lifte moins que Zapata -Mirales. Enfin, ouais. c'est moins le crevard. Quoi. Il a beaucoup joué Jerry hein, cette année, hein. 10 victoires, 8 défaites. Euh... Mais le set de Jerry, ouais, il, il est envisageable, hein. mais moi je vois Gore au Catch aussi. Oui, que... oui, oui. Mais, mais dans la douleur, il va, il va rien avoir de simple. À, pour Hubert, ça va être très, très dur. Il a tous ses potes, là. Facile. Il a toute sa bande de potes, euh, le Hubert. Euh, quasiment tous, hein, il habite là-bas. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y, y, y a toute sa bande de potes qui se mettent un peu dans, dans tous les coins du cours. Et, euh, comme il est il un peu bizarre, le Hubert. Hein, bien dans son monde, celui-là aussi. Moi, je vois Hubert. Hubert dans la douleur. Hubert bah, enfin, dans la douleur. Bah, bah, c'est là qu'il va lui mettre zéro. Hein. Mounier, moi, j'aime bien <laughs> les, les petites codes du jour. Hubert... Euh... Euh, Romé Mouniard, euh, voilà, il y, y a un petit truc à faire. Il y a de quoi faire hein. un petit truc sympa on ce bah, dimanche, Pascal. Tu veux que je te dise, j'ai fait un petit. Parce que hier soir, ce qui m'est arrivé, c'est que enfin ça s'est débloqué avec Tiafo. Donc j'ai eu ma. ma, ma J'avais mis une petite piécette euh, sur des matchs. C'était bloqué depuis trois jours, comme il pleuvait à Houston. Et puis après, j'ai pas suivi le conseil de Marie. J'ai tout remis, les 30 euros que j'ai gagnés. Et j'ai pas suivi le conseil de Marie. On s'est engueulé par un texto hier. Et bah quoi, c'était quoi le conseil J'ai tout remis sur Paul contre Hanfman. Et Marie, en début de semaine, a dit 15 fois. Un précepte comme ça qu'elle a tenu là. Attention, on, a ça <laughs> on sort à tout va. J'ai dit attention à ceux qui sortent des qualifs. Méfie-toi ceux qui commencent leur saison sur terre et ceux qui sortent des qualifs. Marie quand elle parle. De, ça devrait. Souvent être un je n'écoute pas. Le théorème Belge. C'était n'importe quoi ce match. Ah, mais tu tout vois est n'importe quoi. Si les six premiers jeux, il y a six breaks. On en parle tout à l'heure, mais c'est la première fois qu'en se battait un top 20 de sa carrière. Tu vois <laughs> tu Le vois truc qui sort ouais, de mais, on, pas. mais Yannick, Yannick. C'est obligatoire. Yannick Noah, Yannick Hoffman, c'est lui qui va gagner Roland-Garros cette année. Ah ouais. Oui, bien bah, sûr. Bah oui, un moment, mais tu, tu vois pas les signes comme ça. Donc, du coup, voilà. Bon, avant de parler de Marrakech, parce qu'on a quand même un Français en finale, je voulais juste vous dire, les demi-Charleston, de il y a Jabeur qui est en finale. Elle a gagné contre Kazatkina. Gros match contre Kazatkina. Et on attend son adversaire, Benchic ou Pegula. On était parti sur quoi hier Toi, Pegula, ouais. tu es en train de serrer un peu les, les fesses non, c'est un beau match, en tout cas c'est un très très beau 4 -2 match. 4-2 dans le tie-break du deuxième. Et service Pégoula. Service Pégoula. Je veux dire, quand tu rentres sur le court à hein, 4-2 tie-break du deuxième. Ouais, bah je pense que tu... Vache... ça va partir en 3-7. Ouf, ouf, ouf. Bah, c'est le scénario, enfin, déjà dans le premier set, il euh, y a Benchic qui mène 5-2, Pégoula qui revient. Enfin, tu vois, c est, c est, ça peut partir dans tous les sens encore. Hein. Ça peut. Là franchement, 4-2, Marie, c'est pas une avance. Tu vois comment t'es. Hein mais là on retrouve. Ah, dans ah, là, on retrouve, dans la... Dans la non, célèbre... La... On retrouve ton célèbre mental. Hein T'es mené 4-2, pour toi le tie-break est terminé. terminé. Bah non, il y a encore 3 points à gagner, Marie. T'imagines Bon, on part sans plus tarder à Marrakech, les amis. C'est parti au okay. ah. Comment Bah ouais Quand même, c'est le fait oh. du jour, oh, la finale, Alexandre Muller. Le français, le français qui va faire son entrée dans le top 100 qui affronte Carbaez-Baena pour un premier titre sur le circuit ATP. Ils sont joués une fois, j'avais complètement oublié, à Roland en 2019. L'Espagnol s'était imposé en 3 sets Carbaez-Baena. A disputé une finale en carrière, Benoît nous l'a rappelé hier. Il l'a remportée, c'était à Quito en 2018. Donc ouais. bon, il n'y a pas non plus une expérience folle en face d'Alex Muller. J'ai fait un petit sondage. Petit ouais. sondage pour savoir. J'ai mis Carbaès seulement, les amis, pour vous éviter de taper trop longtemps. Ne faites pas de faute d'orthographe pour que ce soit pris en compte. Ça se passe sur les différents chats. Juju, je te mets les cotes. Il n'est pas Favreau Muller et pourtant on a envie de foncer dessus. On va pas être d'accord avec Benoît, je pense. J Moi, j'ai mis Carbales. Ah ouais J'ai mis Carbales, euh, mais sans être euh, non plus euh, sûr à 100%, hein, loin de là, parce que c'est une finale très ouverte. Mais j'ai mis Carbales. Bon, déjà, il a joué une finale. Bon, voilà. Est-ce que ça pèse vraiment dans la balance Non. Contrairement à Muller qui, lui, n'en a pas joué. Euh, surtout. Excusez-moi. Enfin, Quito, rappel, oui. hein, c'est à 2850 mètres d'altitude. Hein. C'était le point. De... Euh, c'est vérifié par Julien Varlet cette altitude. Non, c'est vérifié par moi. <laughs> c'est mieux. C'est plus clair. On n'a jamais joué aussi haut, je crois. Non, non, non. Hein, c'est en Équateur. Ouais. Et il avait, il avait 24 ans. Ouais, il avait 24 ans quand ouais. il a gagné son premier titre. Une seule finale. Hein. Oui. Ils ont, ils ont, tous les deux eu des demies totalement différentes. Hein. Le scénario est totalement différent. Carballes, un peu comme contre crécy. Euh, en début de semaine, il met un petit peu de temps à, à se mettre dedans face à Evans, à, à comprendre le jeu adverse, etc. Puis une fois qu'il est dedans, il déroule. Alors que Muller, lui, ça a été un match très serré, euh, un tie break et un 7-5, avec beaucoup de breaks, euh, 4 ou cinq breaks sur l'ensemble de la rencontre. Donc euh, voilà, ça, à chaque fois, ça a été très disputé. Il a une balle pour conclure le premier set à 6-4, et puis Kotov euh, revient à 5 partout, mais il réussit à s'en sortir à chaque fois. Deuxième set également très serré. Donc mentalement, il a quand même fait euh, des prouesses hier. Euh, parce il fallait s'en sortir oui. avec un scénario comme ça. Surtout il a que un match qui n'était que mental. Voilà, À s'en sortir en 2 sets, il a vraiment été ça très très costaud. Il ouais. Et puis euh, voilà, le, 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 cette volée de coups droit qui sort là, sur la balle de tie elle est magnifique. Enfin, voilà, il, il y allait, quoi. Il, il partait au front, tout ça. Donc, pour... Moi, ça me paraît ultra ouvert. Pourquoi j'ai tendance à aller sur Carbalès oui, que... pourquoi. Pourquoi bah, Parce que c'est... anti-français, quoi. C'est bah, parce que aussi peut-être que j'ai été influencé depuis, je suis gamin. Euh... Peut-être que j'ai l'habitude de voir des Espagnols battre ouais. des Français sur terre battue aussi, Benoît. C'est peut-être ça aussi qui me. Quel que soit l'Espagnol et quel que soit le Français. Alors bon, peut-être que. Bon, bah, euh... J'ai peut-être été. Bah, Excuse-moi, bah, si. Ah non, tu peux ah pas faire bah, si tu... ah Bien bah... sûr, si tu mets Rafa. Ah bah, il y si a tu peu, mets oui. les, les moyens Ferrero-Rafa, oui, mais sinon, non. Ah bah, les Français pro... battent des Espagnols sur terre battue. Ça y est, ça arrive. Mais ça arrive, oui, mais l'inverse aussi arrive. c'est. Bah, et là, bah, là c'est ce quand même le. Oui oui c'est un espagnol mineur, euh, mineur de bah oui. fond de l'Espagne quoi. Et le mec n'a aucune arme. Attention, c'est une arme. paire de jambes, il a un super œil. Il va te faire jouer. Mais voilà, enfin le mec te met pas sous pression quoi. Parce que Evans sans rire. S'il loupe pas ses deux balles de, de break pour mener 6-2-3. On va Après, croire à Alex tu... Müller, ben. Non. Après, mais bien sûr que je crois en Non, mais y a, moi il y, 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 y en a qui attendent Marie parmi les. les, les oui, amis. Alexis, c'est une finale. Attention à la pression. Il y en a qui finale. attendent le moment où tu vas dire attention. C'est une finale. -ce que non, ça peut mais il n'y a form... pas d'expérience du côté de Carba. Il n'y a pas plus d'expérience du côté de Carbalès en finale. Non, Donc, les bon, deux sont les deux je sont pense sont excités autant. Non, je je le dirai pas parce que ça s'y oui, voilà. enfin, prête pas. Carbalès d'ailleurs. Ça, ça doit faire six ans ou cinq ans et demi qu'il est entre la euh, allez, 70e et la 100e place mondiale. Tu sens, tu sens bien que voilà. On parle son, jamais de lui. Hein. C'est son sommet. Jamais. Non, mais t'imagines, bah, ouais, toi, les Espagnols. Ah, bah, oui, c'est pour 70e, on n'existe même pas. Mais mec qui joue une finale, pour lui, c'est une aubaine énorme. Hein, 250, euh, quel qu'il soit. Ben, toi, même si ce n'est pas un tournoi très relevé, pour lui, c'est une performance formidable. En plus, il fait une très belle semaine. Il bat différents types de joueurs. Eh, Cressy, il, euh, il bat Evans, euh, il bat des. des bon, euh, c'est quoi sa perf De toute façon, sa perf sur Terre, on va dire dans l'absolu, hein, bien sûr. C'est ce, ce, ce match de dingue Chapeau. contre Chapeau à Roland Garros, Roland -Garros en, en 2020. En 2020, sur la, la terre battue lourde de l'hiver, 5, 5 heures, alors qu'il avait perdu contre Krajinovic, je crois, en, pareil, 8-6 au 5e avant, l'année d'avant, ou 2 ans avant. Enfin, je sais pas. Voilà, il avait réussi à vaincre le Sydney indien. Mais après, c'est un joueur hyper dur à battre. Son match de 3h30 contre Zapata à Cordoba cette année. Prouve qu'effectivement il faut y aller quoi, mais je, je, enfin, je vois pas en quoi Alex Muller qui là joue le tennis, véritablement, je pense le plus solide de sa carrière, ouais, ouais, ouais. qui est quand même capable de tout, mmh. qui joue très très bien. qui Je pense en réussissant à passer Kotov dans cette angoisse absolue d'une première, peut-être, finale dans un alors, oui, c'est le titre, mais oui, mais tu joues Baena quoi, tu sais que le mec c'est pas lui qui va te rentrer dans l'art, donc c'est à toi de tenir ton échange, construire ton point, il le fait très bien. Et puis ben bah, vient au filet, viens finir, faire, faire attention parce que le mec a une expérience de ma mais, mais 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 je, je joue Brenda. Oui oui, mais il y a peut-être en ce moment même, au moment où on parle, une autre émission de tennis en Espagne où des consultants, des spécialistes, c'est dis génial, génial. joue Muller, c'est facile, c'est tranquille. Oui, Mais regarde, regarde, regarde. là tu vois le truc baena si tu regardes, alors d'accord, il gagne le Challenger de Séville en septembre l'année dernière. Voilà, bon, ok, on sait que le mec niveau Challenger comme Alex Muller sont des tueurs, quoi. Voilà, sur terre, surtout Alex qui, on le dit, s'est dédié à la terre battue depuis quasiment un an. Donc les mecs sont au sommet de leur art en ce moment, sur ce niveau-là, on va dire, entre, euh, allez, 60 et 120, c'est des mecs qui sont super réguliers pour l'instant. Génial. Ils jouent l'un contre l'autre. Quand tu regardes ce qu'a fait, parce que Carbales bayna, il a essayé l'Amérique du Sud aussi, tu vois, en se disant, tiens, qu'est-ce que... Il a, il... Malheureusement, il a perdu que contre les mecs chauds de la saison. Quoi. Il a perdu contre Zapata Mirales en 3h30, il perd contre euh, Francisco Serrondolo, il perd contre euh, euh, Echeverry, pareil, celui-là, tu l'arrêtes plus, et il perd contre Hanfman à Santiago. Hanfman, qui devient le joueur le dingue. Donc tu dis, bon, <laughs> le mec le mec n'arrive pas à passer ce palier. Et tu dis, le palier, Alex Muller, il ne le connaît pas, son palier. Lui, il arrive, là, il va peut-être... Enfin, top censure, il va peut-être continuer à progresser. C'est pas parce que tu as 26 ans que ta carrière, elle est foutue. Loin de là, tu peux encore jouer 10 ans. Donc il peut se passer n'importe quoi. Moi, je pense qu'Alex, dans des bonnes dispositions, en croyant à lui, avec ce classement qui a eu le permettre de rentrer dans des tournois un peu plus chaud, plus costaud. C'est un joueur qui, pour moi, a plus de talent qu'un carvalhéz Sans doute. Donc, je mets Müller. 48% vont te suivre, Benoît. Médard. Je reste sur 52% vont aller, comme Juju, sur euh, l'Espagnol. On va passer maintenant à Estoril, les amis. C'est à quelle heure C'est à 16h, 16h30, cette finale, je crois. Le, de Laquelle De Alex euh, J'ai pas regardé l'heure exacte, mais Marie va nous le dire. C'est marqué en tout petit. Oui, pour mais ça je, je, je ne vois plus rien. Je vous jure, je ne vois plus rien. C'est l'âge, Marie J'ai des lunettes. Marie, mets t'es une gamine. Non, je te jure. Bah, J'ai une gamine. Il oh, n'y euh... a pas d'âge pour euh, voir un petit peu moins bien. Hein. Oui, oui, ça, c'est Et ça on est toute rigole. la journée on... sur les écrans. Oui, étranges, mais t'as rien, toi. T'as pas de lunettes, t'as rien. Si, 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 normalement, de repos. Ah, t'as des lunettes de repos De repos. C'est à 16h, euh, les gars. 16h. 16h. Voilà. Pour le goûter. On va passer à Estoril. Juste avant, on nous demandait le prize money de Marrakech. Que vous price Money de Marrakech Il a je ça donc vous Il a tous money. les tableaux avec le price qui est en dessous. Price Money de Marrakech pour le vainqueur 85 605 euros et la moitié quasiment pour le un peu un peu plus de la moitié pour le, le finaliste 40 49 euros Ah oui c'est bien. On parait. Ça d'ailleurs on va voir 85 000 c'est la même chose à Estoril. Ok. Et c'est euh, quasi presque euh, ah, c'est plus c'est 97 000 dollars. Et euh, en ce moment, euh, ouais, ouais, c'est plus Houston. à Houston. Ah ah Frances Tiafo tu serais pas allé chercher le banquier là-bas, mon là, hein <laughs> oh, petit salaud. Allez, on parle de Casper Rude qui a bataillé contre Quentin Alice, mais qui disputera bel et bien la finale contre un joueur en pleine forme, <laughs> Ketsmanovic. Petit mot ouais, sur le match contre Quentin Alice avant de parler de cette finale, Benoît. Ah, oh, la vache, la vache ah, On a, on a des, des, des petits regrets. Quel Mais, mais, eh, mais pourquoi pour on est sur terre battue Bravo, c'est sûr, aux... dur. T'as vu le service, le service qu'il a, il est injouable. Bravo aux organisateurs d'Esteril de, de, qui ont fait un tournoi superbe. Il y a un monde fou tous les jours. Il fait beau, le public est au rendez-vous, il n'y a plus de Portugais depuis euh, plusieurs jours, mais ils sont là. Et c'est une superbe semaine, vraiment. Superbe Ils ont, ils ont un tournoi par an. Superbe tournoi. Bah ouais, mais il ben, y, y en a, y en a qui n'ont qu'un tournoi par an et les tribunes restent vides. Hein. Aux États-Unis. Un tournoi par an, vous rigolez, ils ont des Masters 1000 partout, ils ont un tournoi de grand chemin, mais vous ne pouvez pas comparer ça. Mais regarde les tournois. À Antalya, Antalya, avec un tournoi par an. Ah, bah oui, mais bon. Mais non, mais tu a aucune culture tennistique. Au Portugal, bien sûr qu'il y a une culture tennistique. Et en Amérique du Sud, regarde l'ambiance qu'il y a dans les tournois. Enfin bon. Bref, effectivement, il y a de Quentin Alice. Pas ça, Casper Mais ça ne passe pas. non, ça ne passe pas. Il est solide, petit Casper, quand même. Il repasse quatrième. Bah, euh, hein. Ouais, mais il va falloir quand même... Euh, dans le troisième, tu dis... Il hein, n'y ouais. euh, a pas, pas d'occasion de break dans le troisième set. Il arrive dans le tie-break, il le plie tout de suite, Rude. Alors, ah. à, à l'expérience, peut-être comment... Benoît l'a mis vainqueur à Monte-Carlo. Qui Casper Rude. Non, oh. non j'ai mis Djokovic. Je l'ai mis en finale, mais pas vainqueur. Ah, je pensais que tu avais dit vainqueur Casper Rude. Non, 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 non. Bon, en finale... Ah non, Djokovic. Oui, bon, en finale. Mais Casper, ben bah oui, parce que sur Terre... Tu vas fatigué, Mais t'imagines que le Quentin, il se fait briquer sur le premier jeu après, il ne perd plus son engagement. Quoi. Premier jeu de service, il se fait surprendre, pas chaud de l'épaule. Et après, le mec, bim, 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 bim. Ah, ça ne joue à rien. Boule. Bon, en tout cas, Rud Ketsmanovic, les amis, euh, c'est l'affiche de cette finale. Ils se sont joués une fois sur Terre à Rome en 2019. Le Norvégien lui avait mis 2 et 1. Rud, qui va disputer sa 16e finale en carrière, la 12e sur Terre. De toute façon, il a gagné 9 titres en carrière et il en a 8 sur Terre. Kasper et et que des 250, hein, 250. C'est un joueur... Non, mais il faut 250 le de Terre. Il n'a jamais gagné de 500, ni de 1000, ni voilà. Ce qui lui avait valu d'ailleurs une petite pique de ni Kyrgios qui à l'époque. Rude, tu te souviens pas le, quoi, La pique sais... de qui De Kyrgios. C'est qui ça <laughs> Le Serbe, lui, va disputer sa quatrième finale, la deuxième sur Terre. Le seul titre qu'il a, c'est sur terre, Kitzbühel en 2020. Pareil. Petit sondage, ça part plutôt du côté de Casper Rudd pour nos amis. C'était pas contre Hoffman en finale d'ailleurs. C'est pas si, possible. Si si si, mmh. si si si, exactement. Et euh, altitude, Kitzbühel, ça. Kekmanovic, c'est incroyable semaine là. C'est n'importe quoi. Hallucinant. Je voilà. Je, vous allez me trouver méchant, mais je n'arrive pas à le trouver. Je, je ne suis pas ébloui par le potentiel, par le talent de mmh. Kekmanovic. Hein. C'est pas un joueur, de, ça pétarade pas dans tous les c'est solide. Voilà, mais tu ne vois pas le. Quand tu regardes les highlights de Cekinato et Kekmanovic, il n'y a que des points gagnants de Chekinato. Ils, ils n'ont pas réussi, même dans le deuxième set, que, Kek, que Kekmanovic a gagné 6-1, à trouver des points gagnants, des beaux points de Kekmanovic. T'as que des points gagnants de Chekinato dans les highlights. Il il C'est drôle. Il se balade. Mais il faut qu'on l'écoute. Jusqu'à deux partout chaud. dans le premier, tu dis tiens, euh, Chekinato, pourquoi pas il l'endort un peu avec son revers lifté là. T'avais l'impression de revoir les. Les Suédois, la Sundström en 83, là, c'est <laughs> des points qui duraient trois heures, la balle haute, euh, lente au milieu du coup, et tout, voilà. Ah, mais des... c'est vrai qu'Henry Strom. putain, il n'y avait rien dans son jeu à celui Il n'y avait rien, il endormait l'adversaire, et Chekinato, il partait un peu là-dedans, puis des petits amortis, des trucs, jusqu'à deux partout dans le premier, tu dis, ah ouais, il y aura peut-être un match qui va être long, qui va être dur pour Kekmanovic, et puis Comment là, il s'appelait celui qui était tout le temps blessé, le fou, là Un peu comme Alcaraz, là. Ah, Carlson Ken Carson. Oh là là, celui-là, ah, je ne sais pas si vous l'avez connu, celui-là. Il était pas fou. Est pas le même jeu. Ah oui. non. Juliette Varlette nous dit tu trouves que Rude est éblouissant, peut-être Non plus. Non, non, mais Kekmanovic, <laughs> je ne suis pas. Euh, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je, je, C'est un très, très bon joueur, évidemment, mais je n'arrive pas à être ébloui par son jeu. Ouais, je, ça ne fait pas d'étincelle je trouve. Bah, il, y a là, truc, il y a un truc, quand même, qui est, qui est, qui est étrange. Hein. Enfin, C'est tout à son honneur, hein, Mais 6-4-6-1 contre Nardi. 6-0-6-1 contre Rodionov. Ouais. 7-5-6-2 contre Zapata, le Bernabé, parce que vraiment celui-là, il faut se le cogner, enfin, il, il s'est fait briquer une fois depuis le début du tournoi. Pre il Nardi. le dit lui-même, il Nardi. faut qu'on l'écoute. Il met je, je 3 le Et le mec est en finale en double en même temps. C'est enfin, quoi je, 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 Il a jamais fait une semaine comme ça, de toute sa vie. pour Casper ah non, non, mais je serais tenté de. De mettre le 7 de Kekmanovic. De jouer avec la cote de Kekmanovic. parce que je me dis pourquoi pas. Le gars, il fait une semaine, ça se trouve, il ne fera peut-être plus jamais de semaine comme ça avant des années. Mais pourquoi pas, le gars, il marche sur l'eau cette semaine Peut-être à l'expérience, quand même, au final. Et Rude, il a quand même eu que des matchs. Le 7 c'était dur, d'abord Et je suis d'accord avec Dimitri. Mais vous savez encore. C'est quand même très étrange, encore une fois, à prendre en considération, parce que c'est vrai que le parcours de, de, de Kekmanovic, il ne joue pas un joueur qu'il a connu dans sa vie. Le, le, à part Chekhinato aussi, allez. Bon, allez, top 20. Voilà. Chekhinato a été 18e, je crois, son meilleur. Mais enfin bon, c'est arrivé une fois dans sa vie, quoi. Sinon, je ne sais pas ce que ça peut dire Il a jamais battu un, 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 top 10 de, un top 5 de sa vie, euh, Kekmanovic. Je crois qu'il en a joué 7. Je crois qu'il a dégagné il a un 7. C'est assez... On, on, on rentre dans c'est ce un autre jeu quoi. Il faut, faut se rendre compte que c'est autre chose. La balle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus rapide. Même si on a l'impression que Casper ne fait rien, il fait tout beaucoup mieux quoi. Et Casper Rud, je ne vois pas comment Casper Rud peut se faire enfler par un Kekmanovic. Je suis d'accord, mais c'est un problème de confiance aussi peut-être. Peut-être qu'il n'a pas encore retrouvé. Alors c'est super qu'ils soit en finale, Rudd. Hein. C'était même presque inattendu. On voyait Baez le battre en quart en début de semaine. Tous d'ailleurs ici autour de cette table. Non non mais voilà. Après, Alice, euh... le problème, c'était le service. Sans il ne trouvait ah, pas d'appui ouais, ouais. au service. Mais Baez, qui a un jeu pour moi, hein, Baez-Kekmanovic, excusez-moi, je ne vois pas trop où est la différence. Il y a peut-être un peu plus de, de côté cube ah. de Kekmanovic. Baez, c'est plus fort sur Terre. Et, et physiquement... Baez, c'est plus fort. Il lui met 3 et 0. Hein. Et physiquement, pour Casper, qui a demandé deux medical time-out hier Oui, oui, mais j'avoue, je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi il avait demandé ces médicales. Mais après, tu, tu peux avoir un jour un peu moins bien. Puis je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression aussi. Hein. Mais il y a parfois des choses qui ne s'expliquent pas en tennis. Et je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on euh, voyait vraiment pas. La même de Kekmanovic. Je, je, je me dis pourquoi pas. Je je heure, je pour, dis, pourquoi il pas joue aller chercher. Tennis, oui, mais c'est leur surface. Pas Kekmanovic. C'est pas un joueur de terre. Et, et, et regarde Onjaber, On ne sait pas où elle en est. Machin, elle retrouve la terre battue. Ah putain, ouais, ma ouais, surface. Okay. Je retrouve mes marques. Mais le mec est je sais confiance. glisser. Je sais construire. J'ai le temps. Même si tu m'agrèges, j'ai le temps. Tu m'emmerdes quand tu un liste parce que ton service, je n'arrive pas à le déchiffrer et tu sers comme jamais t'as servi peut-être sur terre battue dans ta vie. quoi. Donc j'attends, j'attends, j'attends. J'attends le tie break du troisième set J'attends. Mais ouais, bah, tu, te vois, tu te foires dans le tie break du 3 set, tu perds. Moi je pense que. Ces deux anciens numéro un juniors, ils ont joué, ils sont joués trois fois chez les juniors tous les deux, Kekmanovic et, et Rude. Ils se connaissent par cœur. Ils sont joués hors, ils ont un nom dans la next-gen. Ils, ils, ils se connaissent par cœur, mais quand ils se sont joués sur le circuit pro, comme tu l'as dit à Rome, ah, Calif, ouais. hein. BUM Pas de match, quoi Ça ne peut pas, quoi Oui, mais est-ce que le niveau de confiance est le même des deux côtés, là Tu vois ce que je veux dire T'en as un qui est en surconfiance la et l'autre. La confiance, je veux bien, mais. Fiance, confiance. Non, mais bah, on ne te dit pas que Katsmanovic va gagner. Mais le petit set perdu par Kasper. Bien sûr, bien sûr. Gagné par ouais. Katsmanovic. Mais, 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 mais c'est vrai, comme dit Juju. Euh, Est-ce que c'est pas la semaine de Keikmanovic Le mec, c'est euh, la balle, il la voit mais grosse comme une pastèque et, et donc, il il, la est, où il, veut, il est un peu tôt dans la saison sur Terre. Tu vois, si on était. Euh, je pense que Rude, mmh. il, va, il va retrouver un niveau qui correspond un peu plus à ce qu'il a fait l'année dernière, mais euh, dans, les, dans, les, dans les semaines qui vont, qui vont arriver, là, peut-être. Si, si on était euh, 15, à 15 jours de relance, je mettrais Rude tout de suite. Oui, je suis d'accord. Mais là, je ne sais pas. Mi-avril, je me dis pourquoi pas. Bon, ce sera Casper pour 67% d'entre vous, 33% seulement vont aller sur euh, Ketmanovic. On part à Houston, il y a des demi-finales. N'oubliez pas qu'il joue les demi et la finale aujourd'hui, hein. aujourd'hui. D'accord euh, euh, bon. euh, les demi, ils commencent tous les deux à 13h, je crois. Non, il euh, y en a un à 13h. C'est comme à 13h. Ça commence Star quand même. Tu as deux matchs à jouer dans la journée, tu commences à 13h la demi. Ouais, il, il pourrait faire ça à 11h. Ah vache, ouais, tu avances un peu quoi dans ces cas-là. En général, quand il y a des demi euh, et la finale le matin, euh, on fait les, le les, des. prend le maximum d'amplitude. Oui, oui mais oh, mais ouais. ils, ils éclairent eux, ils s'en foutent. Non, mais il faut un je je veux bien, mais bon. Bon, bref, en tout cas. Tiafou, tête de Syrien, affronte le néerlandais Brower, vainqueur hier de Isner et Wolf en 2-7. Premier duel. On l'a pas vu venir, ça. De quoi euh, Brower. Ah non Ah non, on l'a pas vu venir. Bah Surtout que c'est celui qui a, qui a joué le moins hier. En plus. quand même dingue. Et, et, et dans l'absolu, il a aucun des quatre qui sont en demi-finale se sont mis dans le rouge sur leurs deux matchs. Hein, je vous le dis tout à part il a joué trois heures, mais trois, c'est rien, sans rire. À ce niveau-là, trois heures, c'est rien. Non, là, moi, je pense que Tiafo il a quand même une belle opportunité pour gagner son, son... finale. Ce sera, ce sera plus dur, mais là, en demi, je pense. Il est peut-être pas loin d'un premier titre sur Terre, faut On parlait cette semaine de, de ça. Tiens, Qui va gagner euh, son premier titre sur Terre battu cette année, euh, Thiafo C'est ce que pensent certains sur le circuit. Il y en a qui ont été questionnés. Et ils répondaient Thiafo. C'est vrai qu'il est peut-être pas loin d'un premier titre sur Terre, dans des conditions un peu bizarres. Avec, euh, ah oui, mais ça fait rien, il faut le gagner. Hein. Ah, ben, gagne, C'est énorme. Ouais. Ah oui, ouais, ouais justement. justement. Je pense qu'il préfère mille fois gagner ça et puis faire l'impasse sur euh, Monte Carlo. Ils s'en fous. ne n'ont même pas regarder le tableau. Tu oui. étais là depuis le, le quoi Le dimanche Et tu joues le samedi oui, c'est clair. Et tu vas jouer deux matchs et deux matchs. Ils vont oui, tous sur Tiafo, là, dans le chat, vous suivez Oui, oui, je pense qu'il est, il est plus fort que, que, que Brewer, qu'il ne faut pas sous-estimer quand même, qui nous épatte depuis le début de l'année, sur des surfaces totalement différentes et dans des conditions totalement différentes. Il a bien joué à Rotterdam, il joue bien à Houston, deux tournois qui n'ont rien à voir, les conditions sont totalement différentes, il est là, bon, voilà, il est bon. Il se rapproche petit à petit du top 100. Mais il, est... Très loin. il est 116 là. Tu vois, bon, euh... On n'attend pas, mais il sera peut-être top 100 bientôt. Euh, oui, tu vois, lui aussi, 27 médecin. ans. Oui. C'est fou. 96 ouais. aussi, même, même âge cumulaire. tout ça. Il y pop, en a pop, plein pop. qui sont en train de. Mais parce, parce qu'il y a eu là. le Covid. Je, 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 je suis mais persuadé, j'en suis persuadé que ce Covid a complètement. A retardé ah, ouais, ouais, ça a rebattu les cartes. Il y en a qui sont posés, quoi. Il y en a qui, sont, il y en a qui ont bossé comme des chiens. Et il y en a qui ont. Moins travailler que d'autres. Ah oui, oui. Là, Tiafo à 1 1,28, c'est une super bon. cote. Il faut y aller. Ah oui, Tiafo. Tiafo, Tiafo, Tiafo. Ah ben, ben, tout ben, le monde oui, Tiafo. Ben. C'est parfait. On va passer à l'autre demi-finale qui est opposée de Cheveri à Hoffman. L'Argentin qui a battu Purcell en 2 et Garin en 3. Alors que l'Allemand s'est offert Paul tête de série 2 et Machak, les deux en 2-7. Deux Premier et... duel, Hoffman qui sort des qualifs quand même. Hein. Oui. Il et... sort des qualifs. Et ben, nos parieurs vont sur Hoffman. Oui, ouais, c'est un très très bon joueur de, de terre battue. On sous-estime pas du tout. On sait ce qu'il a fait. Bah, en on on face, aussi. Voilà belle expérience. Bon, c'est la première fois qu'il battait un joueur du top 20 depuis le début de sa carrière euh, hier euh, face à Tommy Paul. C'est pour ça, Marie, que je ne m'y attendais pas aussi, tu vois. Euh... <laughs> oui, mais là, je n'irai pas sur Hoffman, tu vois. Non, mais euh, Paul a, a vendu charmant sa peau. Hein. D'ailleurs, il gagne à sa sixième ou septième balle de match euh, Hoffman. Enfin, c'est costaud. Il n'a pas déroulé non plus tranquillement. Euh, J'irai sur Cheverry parce qu'il y a... Voilà, c est, c est, ça pourrait être aussi l'un des grands seconds rôles de cette saison sur terre battue, pourquoi pas. En février, il y a déjà eu vraiment du, 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 du bon, mais c'est un grand gaillard. Moi, je, très très belle technique au service, très bon dans, les, dans, dans le jeu de contre, très bon en attaque. Il y a eu des points fantastiques contre Garrières. C'était vraiment un, un match, match. De pur terrien avec ouais. une maîtrise des déplacements, des, 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 des coups de contre, des coups d'attaque, des effets, des amortis exceptionnels des deux côtés. On a vraiment le eu un match il sert, de grande qualité. Il sert pour le match. À... 600, 600 hein, quand même, 600 4. Et là, attends, le Garine qui dit jamais je perds. Là, on part dans un match. Euh, pour, c'était sublime. Pas bah, des duels de, de, de Sud-Américains, ça peut être fabuleux parfois. Mais Cheveri alors mais, attends, lui c'est un carin, il, hein, dans l'histoire. Hein. Il me paraît, il est, de, il est de 99 il a 23 ans. Ouais. Il a l'âge de, de Kekmanovic, il est de la même année. Euh, mais je, je le vois, je le vois au-dessus d'Anfman, qui lui, a un, un papy à côté. Hein. Il, est, il est en 91. Euh, voilà aussi un joueur qui a. Qui a percé vraiment à l'âge de 25-26 ans euh, aux alentours des 2017-2018, qui est arrivé sur le tard avant de jouer euh, des finales sur le circuit ATP, etc. Puis de, Et euh, Cheveri, je sens. pense que. Et Cheveri, c'est effectivement un jeune. C'est vraiment costaud, c'est beau, c'est pur, c'est vraiment de très très beau jeu sur Terre. Et puis il est en pleine confiance, alors pourquoi pas là, Moi, je, là. je vois plus de talent chez lui que chez Kekmanovic, par exemple, pour euh, euh, comparer avec un autre joueur de cette année, 99. Il est ah. derrière au classement pour l'instant. Mais... Après, il ne va pas falloir qu'il se précipite parce que bon, lui, lui, il a vraiment joué quasiment 4h30 hein, sur la journée d'hier. C'est euh, sûr que contre Hoffman, ça peut être long aussi. Hein. Et il ne faut pas, parce qu'après, tu as la finale. Alors, si en plus tu joues Tiafo, bon, il vaut mieux que tu sois à fond. C'est pour ça que Tiafo, qui pourrait lui avoir une demi plus courte que, que les ouais. autres, pris, moi, je le, pour moi, c'est le favori pour le titre. Oui. Mais euh, ce Echeverry, quand même, assez... Euh... Qu'est-ce que tu vois, Benoît Tu partirais plutôt sur quoi bah, euh... Simon veut savoir. Simon n'écoute que Benoît. Benoît, tu vois qui Gentil, Simon, mais euh, ne, ne, ne fait... va doucement hein, sur ce que je raconte. Euh, C'est totalement subjectif. Mais ah non, il suit Pichnet, Echeverry. Euh, tu bah, ouais. vois, Simon Parce que Echeverry, euh, le mec, il fait finale au Pérou euh, fin octobre, dans Challenger, finale à Uruguay fin mi-novembre. Il fait le quart à Buenos Aires. Il fait la finale à Santiago, là sur la tournée mm -hmm. sud-américaine. Le mec, il, il est incroyable. Moi, j'avoue qu'et Federer, il me semble. Il n'est pas encore cramé, ça arrive. En, en général, ces joueurs-là. Oh, ça... Ouais. ça Non, non ça... il va arriver cramé à Roland comme comme, comme plein d'autres. Mais non, fait il est but. censé faire quart de finale. <laughs> non, mais ça, c'est ju mais... Julien qui l'a dit. Non, pas mais Tu fais confiance peut... au coach de s'enfiler. Ils il, il s'en fout dans l'absolu, puisque maintenant, il est sûr d'être dans le tableau de Roland Garros. Le mec, il est 70e ah oui. mondial. Non, est bon. De toute façon, il peut rien lui arriver. Imagine, il est cramé, là. Et ce qui pourrait être compréhensible, il est à Houston. Donc, il vient en Europe. Il se fait des petits tournois, des petits Munich, des Bagnaluca, des machins. Il peut rentrer dans les tableaux de Rome et Madrid. Logiquement, personne ne s'attend à ce que Etcheverry nous fasse des miracles, mais il peut arriver à Roland Garros en pleine bourre. Hein. Etcheverry pour Benoît Mélin, Julien Etcheverry. Je, 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 je voulais absolument qu'il parle, parce qu'il s'est mangé un mon petit œuf. Ça va lui faire du bien, ça. Je sais pas que Marie, je... un petit œuf, un, un tout petit. Ils sont tout petits. Petit. Et ta salle, alors. Ça ah ben après, c'est mardi, ça. C'est mardi. Bon, pas, histoire d'éliminer tous les oeufs on va pas à la salle de sport oui. le week-end de Pascal c'est vrai mais ah, ça arrive à rien mais tu vois ce serait drôle quand même qu à Houston qui est quand même le tournoi je pense le plus fou de toute l'histoire du tennis on se retrouve avec une finale brover honfman parce que alors là j'avoue que là je sais euh, pas si ce serait très marrant on serait dans la cinquième division. j'ai du mal à y croire quand même je <laughs> euh, vous fais un dernier petit point des qualifs ah. apparemment Benoît Paire est chaud patate à Monte Carlo. 6-2-3-1 pour Benoît Père. C'est bien ça. On a eu la calife de Schtrouf quand même qui sort Rusu en 3-7. Nardi, alors, ils sont Ru... dans le tie-break du et, 3e. Rusu qui est quand même assez illisible hein, dans ses résultats. Ouais. Franchement, j'avoue que je ne comprends pas tout. Toujours. Balle de match pour le petit Lucas Nardi, 19 ans, l'italien face à Hauteu. Il doit y avoir du public derrière, je Il pense. Avoir... Dites-nous si vous êtes à Monte Carlo, s'il y a de l'ambiance. Ivashka bah, Daniel, c'est toujours pas fini. On est dans le 3e, 5-2 Ivashka. Est... Donc calife de Schtrouf, Père, bien parti. 6-2-3-1 et voilà hein, pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est dans les tribunes là, de, Oh, de j'imagine, j'imagine. Ouais. Bon voilà, nous on n'a personne en tribune, mais il y a plein de personnes derrière leurs écrans, on va pouvoir jouer match point. <music> ah, tu vas pas <rire> <rire> ah, non, ah donc, t'as pas gagné les chocolats. Hein mais moi, je ne mange pas de chocolat. Je fais attention à ma ligne avant l'été. J'ai quand même perdu 32 kilos en trois mois. <laughs> Bah ouais, c'est triché. Ah, c'est pas ah, triché, c'est pas triché. Bon alors, et en plus, et ouais. je pense que tout le monde préfère voir une affiche entre vous deux. Tu veux changer de côté ou... Non, non, très bien. Allez. Julien Pichné c'est. Je me sers. Parfaitement bien. Oh là là. Les est... Ouais, 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 ouais. 1 zéro oh. Benoît. 2-0. Euh, mais non, t'as raison, c'est à toi. 2-0. 3-0. 3. 3. C'est pas vrai. Non 4-2. Non. Oh, je suis tendu, il y a les chocolat, je suis tendu. 4-2. 4-2. Attends, mais bah non, mais 4-2, c'est à moi. Ouais. Oh! Bah, Alors, si toi, suivez votre propre match. 4-3. 4-4. <laughs> oh là là, 5-4 à piche. 5-5. Oh putain, ça vole. 6-5 balles de match, Julien Pichenet. Elle sortait. La victoire! Il a gagné le chocolat! Il a chocolat! Mais non! T'as pas le droit! C'est magnifique! Benoît en le mental! Bravo, euh, on va remercier chaleureusement, envoyer plein de cœurs. Tourna... Mais... J'ai gagné le tournoi Pascal. Tu as, as... gagné le tournoi Pascal. Mais Et pas Houston. avec les balles de Pascal qu'on a gagnées aujourd'hui. Mais pas avec les balles de Pascal, très bon. Les balles de Pascal qui devraient arriver lundi ou mardi, <laughs> ça sera notre sponsor officiel, je le répète. C'était pas un grand match. Hein. Franchement, mais on a fait Tu a rigoles, c'est beau aussi, mais ah si, non, pas il pas y avait de la dramaturgie, du suspense... C'est ce qu'on aime. C'est gentil de le vendre comme ça Marie mais c'était pas vraiment. Hein, euh, merci du fond du cœur mon Juju. On se retrouve quand Tu vas nous manquer. À Barcelone. À Barcelone. Oh, ça va venir vite. Euh, Julien Varlet est de retour demain pour couvrir Monte-Carles avec Benoît Mélin. On se retrouve donc demain à midi parce qu'on est lundi. Voilà. carpa de tennis. Juste avant la new, quoi. Juste avant. Mais non, c'est aujourd'hui. Ah oui, mais oui, j'ai pas le temps. Mais demain c'est le lundi de Pâques aussi. Je oui, mais, mais alors sais-tu pourquoi il y a eu le lundi de... pourquoi c'est férié le lundi de Pâques parce qu'avant, voilà, et ben, tu fais tes pâques le dimanche, vu ah, que tu avais digérer. beaucoup mangé. Ah oui. Tu devais digérer les fêtes, donc ils ont. Voilà. Sauf que on, on maintenant, reporte. on mange le, le lundi. Parce mais que non, mais c'est vous qui férié, mangez le lundi. Alors on va avoir le mardi. C'est vous qui mangez le lundi. Normalement, on mange le dimanche midi. Ouais, moi, il, faudrait, il faudrait que mardi soit férié aussi, du coup, parce que lundi, on y va. Bah, vu voilà. que il faudrait que l'année soit fériée, si tu veux mon avis. Ah, bah oui, bon, parce que merci. du coup, ça va, ça va reporter à chaque fois. Du coup, mardi sera férié, on mangera le mardi. C'est vrai. Et du coup, il faudrait que ce soit férié le mercredi. Bon, un je vais laisser le mot de la fin à Julien Picheneuve, parce que vous le revoyez pas pendant une semaine. de suite, Julien. Euh, je, suis, je vais les suivre quand même avec impatience fin, la semaine prochaine pour savoir si vous avez raison dans vos petits tableaux de Monte Carlo. Eh ouais, eh ouais, et, et, ouais. et, et joyeux pack Joyeux pack. Pack. pack à tous N'abusez pas sur le chocolat